Thank you.
Je reste.
On parle fort.
Alex n'est pas là. Sur quoi pour la vie? Oui, c'est bon. Thank you.
Thank you.
Vous prenez vos positions par équipe. Vous prenez vos positions par équipe. Tu veux encore apprendre à faire? Regarde ici. On n'avance pas. My name is Mr. Jameson. I have 10 years. I learned today that in the camp of Indian coordination, that when a team is coordinated, we can win every match in our passage. So that we love the coordination. After the coordination, we worked faster. Our arm was relaxed before our hands that we can do the pass well. So that when we do the pass, the hands move outside and not inside. We go now to the defense where we work our legs that we want to be. Where the ball is going, the ball up after the ball. That we stay different and attentive. In the shots, we learn that the shot we work with the arm. That the arm was in front. That our legs were also in front. When we put force, what permit us to put the shots. We in the other learning, we learn the pass. The pass and the pass and the rotation that we was to rotate to integrate ourselves to go to the layup. Okay. After the layup, we go to the how to drink, how to go with the hands, the arm, that we want to do. We have to have force with our hands to go with the ball and to go with the ball. Bonjour, je m'appelle J'ai 10 ans. Et ce qui est la plus importante, quand tu es dans le terrain, tu dois protéger ton ballon, rester sur la pointe des pieds. Et quand tu veux shooter, ton cou doit regarder sur l'anneau. Tes pieds aussi, ta pointe des pieds doit regarder l'anneau quand tu vas pouvoir shooter. Et tu dois shooter avec une main. Bonjour à tous, je m'appelle Fotsorin Maeva, j'ai 11 ans. Pour le camp d'aujourd'hui, nous avons appris 6 ateliers. L'atelier de défense, l'atelier de tir, l'atelier de grille, l'atelier de passe, l'atelier d'arrêt et l'atelier de coordination. Pour l'atelier de grille, nous avons appris que pour gribler, le pivot doit être droit et ça doit être face aux épaules. Nous devons dribbler avec la paume de main, mais pas avec les doigts. Nous devons dribbler fort et nous ne devons pas arrêter le ballon comme nous faisons les dribbles. Pour l'atelier de passe,
Nous avons appris que pour faire des passes, nous devons fléchir. Nous devons fléchir. Nous devons mettre un pied devant. Et pour finir, et quand nous faisons des passes, nous devons finir avec la main comme ça. Pour la télé de tir, nous avons appris que les pivots et les épaules doivent être face au tir. Le coude doit regarder le tir, doit regarder l'anneau. La main doit être comme ça. La deuxième main doit être ici. Et comme nous finissons, nous devons terminer en faisant comme ça. Pour la télé de défense, nous avons appris que pour bien dribbler, nous devons vite dribbler, avoir une main, la main de protection. Si nous dribblons avec la main gauche, la main droite doit être la main de protection. Et si nous dribblons avec la main droite, la main gauche doit être la main de protection. Si nous partons à la gauche, la défense doit être à gauche. Si nous partons à droite, la défense doit être à droite. Pour défendre bien, nous devons fléchir et vite faire. Pour la télé des arrêts, nous avons appris à pivoter, faire des passes. Et la meilleure des choses, c'est de fléchir. Pour la télé de coordination, nous avons appris que dans un match de basket, pour pouvoir gagner, il faut être rapide. Mais nous avons fait un peu d'exercice pour la vitesse. Je crois que c'est tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Je m'appelle Colo Boyan-Gilles. J'ai 11 ans. Aujourd'hui, il y avait 7 ateliers. Il y avait l'atelier de tir, atelier de grip, atelier de passe et atelier de formation. Il y avait ici l'atelier de tir. Si tu veux bien tirer, tu dois garder toujours ton poignet quand tu finis le tir. Et le ballon doit toujours te trouver en haut du front. Et atelier de passe, le pied doit être toujours avancé. Et la personne qui prend le ballon doit toujours faire l'arrêt et recevoir le ballon sur la poitrine. Atelier de grip, tu dois toujours rester baissé et protéger le ballon. Et gripper toujours fort. Échanger toujours de gribble pour si on veut te piquer le ballon. L'atelier de formation, un an d'atelier, très bien pour s'exercer et avoir un peu plus de puissance. Atelier de défense, si le joueur part à gauche, tu pars à gauche jusqu'au plot. Et si le joueur part à droite, tu pars à droite jusqu'au plot. Et atelier de arrêt, il y avait l'arrêt simultané. On pivotait et on feintait. Merci. Qui vient de trouver son camp ici, ici à Douala, au collège de la Salle. Il veut donner une précision. Parle fort. Alors, je vais apporter une correction. Ce n'est pas une internationale camerounaise qui joue en France. C'est une internationale française, mais qui est aussi camerounaise. Voilà son papa qui est là. Il s'appelle Monsieur Jacques. C'est son papa. Et une énergie joueuse de basket camerounaise
qui joue en France et qui était capitaine de l'équipe de France pendant plus de 10 ans. Et c'est la joueuse qui a le plus grand nombre de sélections à l'équipe de France. Avec celle qui a joué le plus grand nombre de matchs avec l'équipe nationale de France. Donc c'est une très grande joueuse. Et elle dit, mais il vous a envoyé un message. Je vous demande d'écouter ce qu'elle vous a dit. Salut Andy, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, c'est enfin le NDIM Camp. Voilà, je vous l'attendais avec impatience, moi aussi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir être avec vous cette année, parce que comme certains du voir, je me suis fait opérer, mais c'est pour revenir plus forte. N'empêche que je vous souhaite de passer un très bon stage, de vous entraîner fort et de vous amuser énormément. Voilà, à plus. Alors, ceux et celles qui veulent être comme l'intérimaire, elle a commencé comme vous. Elle a aussi fait les camps de basket comme vous en France. Donc, si vous voulez être comme elle, il faut beaucoup travailler. Et il ne faut pas oublier votre rapport à l'école. D'accord ? Ceux qui n'ont pas l'école l'année prochaine, ils ne viennent pas au camp. D'accord ? Les gens qui ne passent pas l'année prochaine, ils ne viennent pas au camp. Vous savez beaucoup parler dans votre camp. Vous savez ça, non ? Ok. Bien, je vais passer la parole à Philippe pour les appuyants. J'attends la parole. C'est politique. C'est je les suis depuis 5 ans déjà, je crois. Et je crois quand même que ce que Andy fait pour le Cameroun, c'est fort appréciable. Au niveau de la fédération, je crois que quand vous regardez le chronogramme, il y a les plages pour ce genre d'événement, parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau fédéral. Donc on encourage une initiative pareille. Bon, maintenant, après 5 ans, je pense que c'est un projet qui arrive à maturité. Maintenant, on va s'impliquer dans ce projet et je pense que dès la saison prochaine, il y aura une innovation que le promoteur vous annoncera. Donc, je remercie tous les parents qui ont pu nous amener là ce matin. Et bien participer aux enfants très dynamiques, de vous très joyeux, très concernés. Donc, merci, félicitations à vous pour avoir pu l'applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Nous remercions également tous les gens qui ont pu le former aujourd'hui, toutes les années, parce qu'il y a même eu depuis quelques années déjà. Donc, on remercie ces choses-là et nous les encourageons à continuer à faire ce travail. On encourage aussi les parents à continuer à enseigner leurs enfants aux particuliers, parce que ce sont des choses très difficiles, on va les voir, très difficiles, on va les voir, évidemment.